Alors bonjour, moi c'est Adil Kendoussi, je suis originaire de la cité Maroc à Creutzwald et je suis maintenant compositeur chez Universal Music pour des artistes tels que Maître Gims, Soprano, Kenji, l'Algérino et beaucoup de rappeurs plus connus comme ASMC, Booba, donc plusieurs. Mon parcours il a commencé à peu près en 2008, ici à Creutzwald. Justement, je commençais à composer dans mon jardin, dans ma cabane dans mon jardin. Je me suis amusé, je commençais à jouer un petit peu. Je suis parti faire mes études à Lyon et j'ai toujours continué à faire ma musique dans mon coin et je travaille avec aucun artiste. De fil en aiguille, j'ai rencontré du monde sur internet, lors de mes sorties. Ce qui m'a redirigé jusqu'à un contrat avec Maître Gims. En personne chez Universal parce qu'il a créé son label dans la structure Universal et il m'a demandé clairement de rejoindre l'écurie pour composer des musiques pour les artistes du label tels que Vita, McTyre, encore plein d'autres comme Marine Monster et donc je me retrouve dans l'élite des compositeurs français maintenant. C'est un privilège pour moi, c'est même un honneur et ça me fait plaisir de toujours rappeler que je viens de Creutzwald, comme je l'ai fait à Skyrock, quand j'étais interviewé à Skyrock pendant une trentaine de minutes. Et donc on a clairement parlé de mes origines, que je venais de Creutzwald. Et voilà, les personnes de Skyrock connaissaient Creutzwald, connaissaient Forbach, un peu la région. Donc ils en ont profité pour qu'on rigole un peu sur le sujet, c'était super bien. Mais j'en profite toujours pour rappeler que je viens d'ici, pour dire que même en province, il y a quelque chose à faire. C'est toujours intéressant. Et la suite, on verra. Sadek, Eros Fusion, Ghetto Style, Very Bad Team. J'ai commencé la danse en 2004, j'ai commencé par le break et je me suis vraiment spécialisé dans le debout en 2006 avec mon petit frère Adel. Et voilà, on a commencé à construire nos propres chorégraphies. À la base, il était beaucoup plus fort que moi, mon petit frère. Et ça a été une source d'inspiration et c'est lui qui avait compris beaucoup de choses déjà. Donc voilà, et après, bon, la vie a fait que lui a arrêté et moi j'ai continué, donc voilà. J'ai gagné le Juste Debout Suisse en 2014 en loc avec ma main Nato, voilà, Eros Fusion. J'ai regagné le Juste Debout en Suisse en pop avec ma main Joker Pop, Tony, en 2016, donc voilà cette année. On a fait finaliste du KOD à Los Angeles. Il y avait plusieurs catégories, il y avait locking, popping, hip-hop, break.
Et voilà, nous on a représenté le LOC, on a représenté la France. J'ai participé à I Love This Dance, donc ce qui a donné un gros coup de pouce à ma carrière en 2015. Voilà, j'ai fait une bonne prestation, donc ça a boosté un peu les choses. Alors Very Bad Team, avec mes Very Bad Team, on a fait finaliste Hip Hop International à Las Vegas. C'était la plus grosse pression de ma vie en chorégraphie. On a fait plus grand cabaret du monde sur France 2. On a fait finaliste Arab Got Talent aussi au Liban. C'est comme incroyable talent, mais du monde arabe. On arrive en finale. Donc aussi, ça, c'était cool. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome the dance crew from France. Marrakech du Rire avec Nawel Madani, ça c'était vraiment, vraiment de la patate. Vraiment, j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment. La cité Maroc, c'est une bonne expérience dans ma vie, c'était cool. J'ai habité à la cité Maroc de 2006 à 2008, donc voilà. Et le foot, la danse, c'est là où ma danse elle a progressé aussi. J'ai dansé, je me souviens, il y avait Smash Crew, on s'entraînait derrière l'église là-bas. Voilà, eux ils faisaient que du break et tout. Moi, je faisais un peu tout ce qui est accro et danse debout avec mon petit frère Adel. Donc voilà, c'était Maroc, j'oublierai jamais. Ça, c'est moi, dans ma cité tranquille. Ici, je connais tout le monde. On est une petite famille et je me sens chez moi. Lui, c'est Thomas. On partage toujours nos goûters. Merci. Et lui, c'est Idriss, le roi des devinettes. Qu'est-ce qui est rouge et qui vole ? Je sais pas, je donne ma langue au chat. Une mouche qui s'est dîner. Il me tue de rire. Et elle, c'est Kenza. Notre Benzema à nous. Version fille, bien sûr. Tout allait bien jusqu'au jour où... En quelques heures, trois commandos terroristes ont semé la terreur dans Paris. J'avoue, j'ai rien compris. Mais le nom de ma cité est sorti et a fait le tour du monde. Depuis le jour-là, j'ai l'impression d'être surveillé et suivi. Je croise Thomas. Ça doit être du poison. Non, merci. Je croise Idriss. Devinette, qu'est-ce qui est multicolore et qui roule par terre ? Je ne connais pas la réponse, mais je suis sûre que c'est un psychopathe. Tu peux pas parler ! Empêche de te couper la langue ! Alors j'ai répondu... J'ai pas le temps. Puis je croise Kenza et elle me demande... Tu veux jouer avec moi ? Je suis sûre qu'il y a une dynamite cachée dans la balle. Non. Bref, les médias ont réussi à me faire peur de ma propre cité. Alors, mes meilleurs souvenirs à Creutzwald. J'ai fait beaucoup de choses en fait. Je faisais du skate, beaucoup de skateboard. Au tout début, on avait la possibilité de faire du skateboard ici au terrain. Après, je suis passé par le graffiti. Donc on a été bien accompagné par la SBH, énormément même, qui nous ont ramené des artistes graphes pour travailler un peu partout avec eux.
C'est magnifique ça d'ailleurs. C'était vraiment, on était content de le faire. On était vraiment occupé au lieu d'aller ailleurs, on traînait avec eux. Donc ça c'était une bonne période. Ensuite, je suis rentré dans la danse. J'ai commencé à faire du breakdance et j'ai commencé à danser avec Carlo D'Angelo dans son association qui s'appelle Totally Crazy à l'époque. Et avec lui, on a fait vraiment de grandes choses. On a vraiment fait de grandes choses. On a fait des gros spectacles. C'était magnifique. Il m'a même permis d'organiser mon propre événement, c'est-à-dire c'était des battles. Et c'était vraiment, mais on va dire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat en fait. C'est comme j'ai commencé à travailler avec eux, comment monter un projet, comment développer une idée, comment trouver des financements. On a eu une éducation de ce côté-là, grâce à la danse. Et la danse était complètement affiliée au CMSEA et à l'SBH. Donc c'était agréable, on avait des salles à disposition. On est même parti jusqu'à Grenoble travailler avec les plus grands. Même des plus grands qu'on a ramenés ici à Creutzwald pour faire des stages, comme les Twins ou Bruce Kanji, qui sont des champions du monde de danse. On les a ramenés jusqu'à Creutzwald pour travailler avec eux. C'était super agréable. Et en fait, ils étaient là pour un accompagnement. J'ai eu mes meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand on partait en voyage ou en sortie sur Metz ou quoi, avec la camionnette de SBH, quoi. Et on rigolait énormément, c'était incroyable. On faisait des sorties sur Paris pour la danse, tout. C'était... ouais, ça reste clairement mes meilleurs souvenirs. C'est les meilleurs. Faire du rap, crois-moi, c'est pas dur. Moi, mon but d'ici, c'est partir. Ma ville à bâtir, le mal m'attire. Hey, dès le matin, je fume pour repartir. C'est à mama que j'aime à mourir. Désolé, mec, mais toi, t'es pourri. Je suis lège, mais hors catégorie. Que fera le bon en face catégorie? V'là, rap de tête, je suis dans ma folie. Rap de tête, je suis dans ma folie. La div comme la thune d'un Qatari. Tu vises la lune, pique-moi quand t'arrives. Laisse les croire faire que j'ai perdu. Je sors de nulle part comme un hypercute. J'ai déjà fait le tour, le temps qui percute. Je les ai soulevés, merde, comme une perquise. Viens pas te frotter, mon fou, je l'aiguise. Mais de quoi tu me parles, mon frère Poulot? Moi, je t'emmerde, tu sais ça, puto. J'ai chakra du Rey Naruto. Big dédicace, système Marocco. J'ai le sang froid comme Sup Zero. Sup Zero, j'ai le sang froid comme Sup Zero. Système Marocco, j'ai le sang froid comme Sup Zero. Sup Zero, Sup Zero, Sup Zero.